Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes bien sur Vélo Rando, la chaîne de l'évasion, de la découverte et des belles images, en compagnie de Lionel qui tient la caméra et de Laurent. On se trouve actuellement sous les falaises d'Orc magnifiques que vous voyez juste derrière moi. C'est parti pour la rando de la Croix de Marcou. Juste là, les ruines de la cabane d'Orquette que vous avez déjà vu en introduction de la vidéo. Il fallait vraiment avoir envie d'habiter ici. Hein. Voilà, c'était une maison assez spacieuse quand même. Hein. Alors, je ne vous ai pas encore expliqué la situation de cette rando qui se déroule dans le nord-ouest de l'Hérault, à une quinzaine de kilomètres de Bédarieux environ. On est parti de Saint-Géniès de Varensal, c'est un tout petit village qu'on verra tout à l'heure sur le retour. On a le soleil qui se lève. Alors pour info, on est à la mi-mai et c'est un endroit qui est très sauvage, très piquant, sur des hors-pistes, enfin pas sur des hors-pistes mais sur des pistes non balisées. Donc attention ici quand vous viendrez. Bon, évidemment Lionel me corrige, il m'a entendu parler de pistes là et il saute au plafond. On parle plutôt de sentes non balisées effectivement, parce que des pistes il y a longtemps qu'on les a quittées. Voilà, on est à la mi-mai, donc je vous l'avais dit tout à l'heure je pense, et on porte des pantalons, tout ça sur les conseils d'un topo guide issu de randonnée Cévenol, l'excellent site avec de très beaux topos très bien faits, qui conseille de porter un pantalon parce qu'on va attaquer une section très piquante et déjà ça l'était un petit peu ici, alors j'imagine la suite. Et même, on a même emporté des sécateurs aujourd'hui, c'est pour vous dire. Alors les sécateurs ils sont bien dans le sac. On va faire un peu de jardinage peut-être, on va voir ça, mais c'est pas tout de suite. Pour l'instant, on se dirige direction les cascades. Bon alors je vous ai parlé de sentiers non balisés. Il y a quand même un tout petit balisage bleu qui existe par moment, mais il est vraiment défraîchi. Donc il faut bien ouvrir l'œil. Bon, mais là on arrive à la cascade cette fois-ci, ça y est. Et si vous aimez les belles cascades, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Cascade de France, je vous la recommande. On a une transition brutale avec la végétation là, qui a complètement changé en quelques centaines de mètres. On est parti dans des résineux.
Allez, c'est la petite hésitation du moment. On atteint une seconde zone de cascade. On ne sait pas trop où on va exactement là. Mais on y va. Bon, ça passe là, mais... Ouais, on voit pas d'autre solution pour l'instant. Sans balisage, le balisage bleu, il s'est perdu là. On estime que le sentier serait là, mais c'est vraiment une impression. Hein. Allez, dans la pampa, Lionel. C'était une fausse piste là. Le chemin, il est juste derrière moi. Voilà, si vous aimez la pleine nature, eh bien, c'est ici qu'il faut venir, il n'y a pas de problème. Vous ne serez pas dépaysé. Et en plus, on n'en est qu'au début là. On avance vraiment à deux à l'heure. On se sentit embaumé par les genêts. On en a quelques spécimens à droite à gauche là. Voilà, l'espinouse, il est en face de nous. Avec, je crois, la crête Sainte-Trope là. Ça serait celle en face là-bas, Lionel. Et puis, je vous propose de revoir une ancienne vidéo qui se déroule dans ce coin-là. Ça se passe en haut à droite. Hein. Mais comme d'habitude, vous mettez ça sous le coude. Et on va poursuivre notre expédition. Parce qu'on a une ruine encore à côté de nous, là, Lionel. Hein. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ah ouais, sur main gauche. On va essayer d'aller l'approcher pour voir. Ah, celle-là, elle est beaucoup plus modeste hein, par rapport à l'autre. Et là aussi, perché à flanc de montagne. Allez, je vous case une deuxième vidéo, plus ou moins dans le secteur, ça s'appelle la rando du Vialet. Il y avait beaucoup de genêts à cette époque-là, avec des odeurs vraiment sublimes. Et là, on retrouve un petit peu le même environnement. Je pense que c'est le début de la floraison, là. Ils ne sont pas tout à fait au maxi. Il faut venir plutôt début juin. Allez, on alterne du sous-bois, même du bois. Ah, c'est sûr que c'est joli là, c'est la pleine floraison qui commence. Alors le pantalon est de rigueur parce qu'on vient de s'apercevoir qu'il y avait des tiques à l'instant. Donc ne partez pas sans lui, hein, surtout sur le début en tout cas. Le sentier se perd un peu par endroit, mais c'est normal, la végétation a tellement gagné là maintenant, cette saison, qu'il faut vraiment ouvrir l'œil. Voilà, là vous l'avez peut-être déjà compris, donc je vous l'avais déjà dit, c'est pas de la rando pour marcheurs occasionnels. Il faut vraiment être habitué à ce style de terrain humide, changeant, difficile à lire. Je sais pas si vous la voyez bien à l'image. Voici une autre tique là. Ça devrait en être une, ça. Vous confirmez ou pas.
Je ne peux pas tellement la prendre de près, c'est compliqué avec cette caméra. Je ne sais pas si vous la voyez bien là. En tout cas, ça en est farci ici. Hein. Ouais. La nature est vraiment magnifique dans ce coin. Là, on est loin de la civilisation. Là, on n'entend plus du tout de voiture. C'est vraiment fabuleux là. Voilà, on est dans la zone du Moulin d'Orc. Cette partie eh bien, surplombe donc le ruisseau. Voilà notre moulin. On a encore hésité ici là parce que c'était pas forcément évident. On a vu les traces bleues qui nous ont attirés. Mais là le sentier il commence déjà à se perdre. Voilà, ici on pourrait commencer déjà à douter. Parce que le sentier commence à être partiellement envahi là par moment, mais bon ça passe quand même. Et puis ces traces bleues sont vraiment dispersées là. Hein. Ils auraient pu en mettre un peu plus. Et ça commence à piquer effectivement sur le bas des pattes. Je sais pas si tu le sens Lionel par moment. Le pantalon est justifié là déjà. Bon là on est retourné dans la jungle amazonienne. C'est vraiment extrêmement délicat. Il y a quelque chose mais c'est vraiment très ténu là. Hein. Vous aimez les vidéos vélo rando, les vidéos pleines nature comme celle-ci, eh bien pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des commentaires, à partager aussi notre travail. Rendez-vous sur Instagram pour toutes les photos de cette rando. Et puis bien entendu, notre partenaire bio, la boutique nutrinaturel.com, l'épicerie de qualité. La bene. Voilà, on l'avait lu sur le site Randonnée Sevenol qui nous a servi de guide sur cette rando. Ben, le contraste est brutal, saisissant. On sort d'un univers vraiment très sauvage à un endroit beaucoup plus paisible. Et encore, on n'est pas sur la route qu'on va rejoindre dans quelques instants. Ah non, ça sent pas. Hein, c'est joli, mais ça sent pas. Quel regret. De belles fleurs bleues qui sentent rien. Cet endroit s'appelle le Cosse Grand. Il est à 800 mètres d'altitude. Ce qui veut dire qu'il nous manque encore 300 bons mètres pour aller chercher notre sommet, la croix de Marcou. Et puis on va pas tarder à rejoindre un petit peu de bitume. Je vais pas te casser le moral Lionel, hein, mais la croix de Marcou elle est là-bas. Ouais. Sur ce gros mamelon. Alors là, pour estimer combien de temps on a pour y aller là-haut, moi je sais pas, je dirais 1h30 hein, facilement. Ouais. Ouais. Bon, là, vous vous demandez où on est, mais on a juste fait un petit écart sur notre route pour aller admirer cette grotte. Bien cachée, quand même, il faut savoir qu'elle est là. Hein.
Attention parce que celle-là, on va pas pouvoir y rentrer vu que l'entrée se fait en pente. C'est la grotte des Fades. Attention là. Là, ça, c'est un trou. Hein. Donc, voilà, celle-là, c'est pas la peine d'y rentrer. Bon, ça, c'est le tapis de fleurs. Là, voilà, celle-là, vous partez 10 mètres plus bas. Ouais. Ouais, c'était très facile à trouver cette grotte. On a juste fait quoi, 20 mètres par rapport à la route. Et on en aurait une autre tout à l'heure, qui est un peu plus accessible, mais peut-être plus difficile à trouver. On va essayer de voir ça. Voilà, c'est vraiment un tout petit bout de sente à faire, hein, de rien du tout. Si vous regardez le tracé que je vous mets dans les descriptifs de la vidéo, bien vous le verrez, ce petit aller-retour. Notre nouveau compagnon, il va nous accompagner jusqu'au sommet peut-être, hein, je ne sais pas. Ah oui, là maintenant ils sont prévenus qu'on arrive là. Elle n'est pas bien vaillale là aujourd'hui. Ouais. Bon voilà, la deuxième grotte se trouverait ici. Alors j'ai pas une localisation, la localisation je l'ai, mais l'accès il n'est pas vraiment indiqué sur les cartes. Donc là, on a trouvé ce bout de sente là qui semble descendre et il se divise en deux d'ailleurs. Bon, je pense qu'il faut, il doit falloir descendre un peu quand même, après moi. Je pense pas qu'elle soit... Ça continue tout droit là. Ouais, ça... je crois pas. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Non, la grotte d'Alves, on va tenter d'aller découvrir. Mais ben voilà, elle était vraiment pas loin du tout. Mais c'est encore notre trou paumé ça. Ah, je vois l'arche, effectivement, poteau. Alors attends, que je m'approche. Ah ouais, celle-là aussi, elle est... Elle est violente. Hein. Ouh. Ah ouais. C'est quand même puits, hein. C'est un peu une grotte. C'est un puits. Si, si, il y a une corde là pour faire quelques mètres si vous voulez descendre, mais ça, c'est chaud. Hein. C'est un puits, une grotte. Voilà, on va essayer de vous la montrer, cette grotte d'Albès. Mais c'est quasiment impossible parce que, vous voyez, dans la pénombre là, il y a des cordes qui peuvent vous aider à descendre, mais ça reste très chaud quand même. Avis aux amateurs. Allez, on arrive dans le cul-de-sac de cette route qui débouche donc dans ce hameau d'Albès. Quelques maisons et de la quiétude surtout ici. Bon, Albès aura été vite traversé. C'est parti pour la montée. 300 mètres de D+, pour se casser encore plus les jambes et les mollets surtout. Et puis là c'est direct, donc tout droit, il faut monter quasiment toute cette arête là jusqu'au sommet. Il faut redescendre un peu. On arrive certainement vers les deux tiers de la montée. Ce qui est agréable, c'est ces sous-bois là. Allez, on est à 80 mètres sous le sommet, ça rapproche. C'est toujours aussi dur, hein. Ça monte toujours aussi sec. Allez, on débouche presque au sommet. Et je m'arrête pour vous montrer les falaises où on était tout à l'heure. On se trouvait sous ces falaises, les falaises d'Orque. Et puis on a traversé quasiment tout le plateau, là, en face de vous, au milieu. Thank you.
Et la voici, la croix. La croix du Marcou. À 1100 mètres d'altitude quasiment, c'était la croix de Marcou avec ses 12 mètres de haut, croix métallique qui a été installée en 73 en remplacement d'une croix en bois qui elle a été là depuis 1913 et elle est un petit peu plus haute puisqu'elle mesurait 16 mètres. Voilà, très beau sommet. Alors par temps clair, la vue doit être vraiment magnifique. Là déjà c'était assez sympa. Et puis là j'en profite pour vous montrer la suite des événements. Et ben, on va aller chercher ses antennes là-bas avec ce sommet. Avant la dégringolade carabinée vers notre village de départ. Voilà, là ce qu'on a vu tout à l'heure c'était l'Hérault et là c'est plutôt l'Aveyron, puisqu'on est quasiment en bordure de l'Aveyron ici. Hein. On le touche presque le département. Vous voyez peut-être deux personnes derrière moi, ils sont en train d'effectuer le marquage d'un trail, le trail du Grand Orbe, qui passe certainement par la croix du Marcou, croix de Marcou. Alors je ne connais pas assez bien le coin pour vous en parler, mais il y a de belles pistes là, qui pourraient intéresser les vététistes. Voire même les pratiquants de gravel. Allez à la buvette Lionel. Ils l'ont installé juste pour nous là. Vous savez qu'on avait besoin d'ombre un peu à ce moment du parcours là.
Là, je pense que c'est la taquereuse. On a encore de la belle forêt là. Hein. Alors c'est vrai qu'elle est quand même agréable cette rando parce qu'il y a un mélange de pas mal de choses, de la difficulté, des parties plus douces, du soleil, de l'ombre. C'est quand même un petit régal. Partie que j'avais vraiment bien aimée là quand j'étais venu il y a quelques années ici, c'est la Buissière du secteur. Très belle. Allez, on arrive à nos antennes à 900 mètres d'altitude, toujours avec la croix de Marcou. On a le foin là-bas. Et nous y voici, c'est la descente infernale. On est sur une ligne de crête relativement pentue. Et donc ça va dévaler là. Hein. Sentier passablement caillouteux. On l'avait compris hein, que ce sentier allait être bien raide. Peut-être moins dangereux à la montée. Quoi. La descente, c'est pas le meilleur choix là. Hein. On a quand même cette main courante là, qui va pas mal nous aider quand même. Bon, voici la trotte qui nous reste hein, pour rejoindre Saint-Géniès de Varensal. Il va falloir s'accrocher au bastringue là. Ah ben là, on a encore un point de vue là. Et celui-là il est vraiment juste à côté du sentier alors. Ça serait dommage de s'en priver. Contrebas. On est sur un genre de piton là. Ah oui, là c'est. Ça domine là. Ah c'est ici. Ah, il faut poser les mains hein, par moment. Ouais, il vaut mieux. Par sécurité, il vaut mieux. Allez, on continue à mettre les mails là. Ça reste ludique. Pas trop exposé. Une petite cheminée. Là, quand même une mini cheminée. Attention des deux côtés là.
Le cadre est pas mal. Hein. Eh bien les amis, c'est de la descente bien hard comme on les aime. Qui fait même mal aux pattes en descendant. Rien de compliqué mais... Oui, rien de compliqué mais quand tu as fait déjà le parcours du jour, la pente s'est adoucie. On a quitté cette zone bien rocheuse là, du haut de la crête. Et là par contre ça avance assez rapidement. Allez, c'est retour sur le plancher des vaches, ou presque. Il va nous rester 1,5 km. On a un peu de route, on a un peu de sentier pour entrer à Saint-Géniès. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, parce que nous, on a adoré le coin. Mais c'est quand même assez difficile, hein, Lionel, à marcher dans ce secteur. C'est très physique, donc si vous y venez, il faut un minimum d'entraînement. Voilà, on se retrouve très prochainement sur Vélo Rando avec une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, vous allez sur Instagram voir les photos. Vous pensez à vous abonner, à partager nos vidéos, à liker, à commenter. Enfin, vous connaissez tout par cœur maintenant. Et puis, on vous laisse aussi aller voir notre partenaire bio, la boutique NutriNaturel.com, l'épicerie de qualité. À bientôt, salut, bye-bye. Ciao. Allez, on va se quitter avec une vue sur ces belles falaises d'Orques sur lesquelles on était tout à l'heure. Très impressionnante, vue d'ici. Et puis voici notre point de départ, c'est Saint-Géniès de Varensalles.